salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enshrouded, toujours en coop, toujours accompagné de Tonch. Bonsoir. Elle est. Dernier épisode, on avait sauvé la fermière, donc on a tous les artisans qui sont débloqués pour le moment. Et on va pouvoir aller faire... je ne sais pas quoi. C'est la fête. Non? C'est la fête? C'est là. Pardon. Moi, je te propose un truc. Je t'écoute. C'est qu'on aille faire le puits de l'élixir qu'on avait trouvé là. À côté de la mine de... à côté du passage de la grotte. Ouais. Ce sera déjà pas mal. Voir si on peut débloquer un autre boss ou je ne sais quoi. On peut. Je crafte tout ce que je peux à droite à gauche. Une flèche de brume, tiens donc. Histoire de débloquer justement des choses comme ça. Je range ça dans les coffres et je suis à toi. Alors... mètres. Mon prochain objectif. Pas mal. Ah oui, moi aussi. Eh ouais. Les Kate. Le Bansi. Ouais, c'est ça, c'est le Bansi. Le fuseau de la chasseresse. Tour de Westcott, c'est où ça? À 787 mètres. Récupérer. Il y a la recherche des tombes cachées là, qui est juste au pied de là où t'es. Où ça? Ça doit être à 100 mètres là, même pas 220 mètres. Ça doit être juste la brume qui est juste en face là. On peut y aller, hein. T'as pas oublié d'ouvrir ton parachute? Si, mais c'est pas loin donc faut pas l'ouvrir trop tôt. En fait, ça doit être la petite ruine ici. Aïe. Aïe. Oui, je me suis mangé un arbre, donc le parachute s'est refermé. Là-dedans, tu penses? Entrée cachée de la tombe. Mais de quelle tombe? Une araignée. Elle était niveau 3. N'en reste, hein. Elles sont bien faites. Ah oui. Peut-être falloir mettre un petit message. Ah ouais, même sur les murs et tout. Ouais. Faites attention à vous. Il y en avait une derrière. Elles sortent des murs, en fait. Arachnophobe, ça veut s'abstenir. Clairement. C'est ça. Ah! Ils auraient pu mettre un petit disclaimer. Bon, on t'a vu, Jacqueline. Ouais, elles sont très bien faites. Ouais, hein. Après, que serait un jeu d'Heroic Fantasy sans. Araignées. J'ai trouvé des blocs d'os. J'ai vu ça. Il y en a encore. Ah, mais c'est dans les œufs en fait. Ce qui paraît logique. Alors, les tombeaux sont des coffres. Hein. Ah,
Celui-là, là. D'accord. Je croyais que c'était juste un tombeau, moi. Non, non. Quand je t'ai vu partir, je me suis dit, tiens. Ah, bah, on a fait le tour. Ah bon ? On dirait. Il n'y aurait que ça ? Ça paraît peu. Quatre araignées ? Ah ! Ah ! Il y a un truc bleu. Il y a une salle avec des sols bleus. Ah oui, il y avait un truc au milieu avec, avec du loot. D'accord. Bah, c'est tout ? C'était petit. Je suis déçu. Bon, écoute, c'était bien fait. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré une baguette brûlante qui fait 14 de dégâts, qui est en fait l'équivalent de la mienne. Tant dire que c'est tout pourri. J'ai de la flèche en ferraille, je t'envoie ça. Ah, on a la rumeur de l'alchimiste devant nous. La rumeur de l'alchimiste. Ouais. Attends, je t'envoie mes petites flèches. Et je t'envoie aussi des boulons de glace. À 339 mètres devant nous. Dans la brume. Ça nous éloigne du puits l'élixir, mais... Ouais, mais ça fait une quête. De la flamme juste à l'est. Hein. C'est ça. On la voit là-haut. On fait quoi ? Je te suis. Allez hop. Ok. Après, le tombeau de l'élixir, on va pouvoir y retourner assez facilement. Oui. Il y a des bestioles. Il y avait. C'est à 100 mètres devant nous. Elle tape fort ta nouvelle épée ? C'est le petit tomahawk là, mais ça tape pas trop mal, ouais. Ah. Peut-être en dehors de la brume. Ouais, c'est au-dessus. Ah, c'est dans un camp. Mais ils avaient pas vu venir. Attention. Eh bien. En avant. Hein. Allez, colline de maraudeur. Regarde, t'as un nombre pour le moment. Oh, bonjour. Une matrone. Oh.
Il y a un boss en haut. Il y a un boss ? J'ai vu une barre de vie s'afficher. Ah. C'est ça la fameuse matrone ? J'imagine. C'est une matrone grand gosier des maraudeurs. Tonge ? Attention, il y a un tonneau rouge à côté de toi. Pas plus. Récupère de la ferraille, ce qui est très bien. Parfait. Une petite réparation de matos ici. Ah oui. Je suis derrière toi, hein. Je sais pas où elle est, mais elle fait du bruit, hein. Grand gosier, nous sommes prisonniers depuis maintenant 3 jours, affaiblis sans nourriture ni eau. Ceci peut être mon testament, mais les maraudeurs sont en train de créer de nouvelles horreurs. La reine des maraudeurs, engraissée par leur gloutonnerie, sont en train d'utiliser les laboratoires obscurs de ce camp sur elle pour s'infuser de quantités énormes d'élixirs. D'accord. Attention. Apparemment, elle est capable de cracher de la brume. D'accord, il y en a encore un. Alors je sais pas si elle est au-dessus ou en dessous. J'ai cru voir un petit passage là, planqué derrière là-bas. Il est noté ci-dessous. Elle est au-dessus. Elle est juste là. Ah ouais. Elle est moche. On dirait moi le matin. Ah, ah oui. Ça s'est mal passé ton, j'ai l'impression. Ah bah c'est du one shot, hein. Alors que j'étais full life. Alors là pour aller te chercher. Aïe. Voilà. À peu près. Elle peut taper à travers les murs. Elle m'a tué à travers le mur. Nous disions donc. Bah, on y retourne, hein. Ah, bah, évidemment. Par contre, on est mid-life. Oui, mais ça va se régène. Et on a plus notre endurance. Ah, oui, c'est vrai. Ça, par contre, c'est un peu plus emmerdant. Descente en piqué. C'est ça. Pile poil. c'était où? Oui, là-bas. En face. Fais gaffe, y'a du loup en dessous. J'ai un petit défaut de collision là, mais pas très très grave. Ah oui, le one shot à travers le mur, moi je m'y attendais pas en fait. Ah, ça pique, hein. Alors tant qu'à faire, on va récupérer peut-être la flamme qui doit être par ici.
Tu penses? Ah, il me semble. Elle doit être là-haut. J'ai entendu un loup, je crois. Ouais, ouais, ça doit t'as être des loups derrière ceux toi. qui sont en bas. Ils sont derrière toi. Oh ouais, je les vois, je les vois. Il y en a encore deux. Hein. Oh le petit saligo. Ah ah. Tu es là? M'en doutais. Voilà qui est fait. J'ai récupéré une étincelle. Bah, tant mieux. Bon, bah, on est reparti, hein. Bah ouais, je crois bien. Hein. Par où on était monté? Je sais plus. Ouais, ça doit être par là. On avait traversé de la brume, donc je suis allé dans la brume. C'était pas là. Ah bon? Ah ouais, c'était pas là. Je me rappelle pas de cette route. On est passé au-dessus, mais on est juste passé, tu vois. On ne prend pas le même chemin. Non, mais on arrivera au même endroit. Peut-être. Si, c'est là en face. Si tu le dis. Regarde, le camp. Ah oui. Bon, ils sont tous morts, ils reviennent pas les mobs quand on les quand on est mort, si? Ah, ils reviennent au bout d'un moment, mais je pense pas qu'ils reviennent tout de suite. Oh, on n'était pas passé exactement par ici. C'est ça. Pense à remanger. C'est fait. Ah, là on était passé par là. Oui. Par contre, elle s'est remis bien. Ah bah, tant qu'à faire. Alors, on va y aller un petit peu plus bourrin, je pense. Hein. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que là, par exemple, je la vois, tu vois, là-haut. Ah, je ne lance pas assez fort. Heureusement qu'il n'y a pas de friendly fire. Hein. Wouch! Tu la touches? Je suis pas sûr. Je l'avais pas vu lui. Ouh. Celui-là non plus je l'ai pas vu. Oh, j'ai pu récupérer tout mon stuff. GG.
Après, moi, j'étais pas dans la zone de combat. Ouais, donc, t'étais pas dedans directement. Ouais. Elle tourne le dos. Tu peux peut-être espérer y aller. Ah bah non. Elle casse tout. Elle aime les grenades ou pas? Je sais pas. Attention, elle est là. Hein. Ça a pas l'air très efficace. Mmh. Aïe! Bon, va te planquer, va te planquer. J'ai rien pour me soigner. Je suis passé derrière elle. J'ai rien pour me soigner, malheureusement. Ah oui, c'est complètement inefficace en fait. J'ai piqué des armes. La magie, ça fonctionne à peu près. J'ai récupéré mon stuff. C'est efficace, effectivement. De quoi? La magie. Merde! Attends, bouge pas. Je vais voir pour Thérèse, mais faut qu'elle revienne par ici. Essaye de sauter par là où il y avait le coffre et de remonter l'escalier. Elle va te perdre. Je suis dans l'escalier. Attention, elle est là. Elle descend. T'as allé? Tu la touches pas. Attention. Elle veut pas t'abandonner, hein. Oh oh oh. Moi je me fais vomir dessus depuis tout à l'heure, hein. J'apprécie. Attention. Elle va te jeter un truc. Pas passer loin, je pense. Oh yes. Même raison. Voilà. Grappin amélioré. Ah, ça c'est beau. Ah bah c'était bien la quête des rumeurs de l'alchimiste. Ah bah elle était un petit peu balèze, hein. Ah, par contre, ruser, hein. Par contre, je suis plein. j'ai encore de la place. Elle était balèze. Non, donc, tu trouves quand même pas mal de trucs pour réparer ton stuff, ça c'est pas mal. C'est un bon plan, ouais. Donc, la quête. Les rumeurs de l'alchimiste. Voilà, bon, on va devoir aller voir. On va devoir aller voir le charpentier. Sinon on a le tombeau de la reine qui est juste à côté, mais je sais pas si on peut y aller.
C'est le truc qui est tout en haut là, c'est ça? Ouais. Il est à 218 mètres par là, mais... Après on peut toujours essayer d'aller voir, hein. Il serait où? Il serait là-haut, mais... Tombeau de la reine... 44 mètres, moi, ça me dit. Hein? Moi, j'ai 190. T'es bien sur la quête, le tombeau de la reine? Oui, oui. Avec une petite boule bleue en récompense. Je sais pas, moi j'ai cliqué sur la map, le petit machin. Oui, petite boule bleue avec le... Ouais. La quête, elle me dit 21 mètres. Hein. D'accord. Est-ce qu'on repasserait pas quand même par la maison pour aller au moins récupérer notre buff? Ah, c'est tout au-dessus de... Ouais, c'est tout en haut de la montagne. Il y a des chances. Hein. Non, non, c'est sûr. Je crois que je me suis pété les genoux. C'est ça, il s'est pété la cheville. Ah, la matrone. Alors. Courure obtenue. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de corruption pénètre dans chaque fibre. La peau fibreuse est poreuse. Elle a déjà changé. Au bout du compte, la brume s'infiltre partout. Animal, soldat, roi. Tous nos os craquent de la même manière. Ici, je partagerai mes terrains de chasse avec vous. Ok. Nouvel emplacement cartographié. Ah, on a des flèches paralysantes maintenant. Très bien. J'ai un beau petit arc. Je sais pas si t'as un peu de place pour voir ce qu'il vaut. Non, j'ai plus du tout de place. Ah, si on a de la brume liquide... Ouais, j'allais dire, il serait peut-être temps d'aller chercher un peu de brume liquide pour pouvoir améliorer nos stockages. Et puis pour faire le grappin amélioré. Ah, oui aussi. Par contre, si tu as de du lin, on peut faire le meilleur... truc planeur. Non, je pense pas avoir de lin là. Enfin, il n'y en a pas encore de fait. Mais on peut en faire... Vas-y, tu peux m'envoyer l'arc, j'ai de la place. Oui. Ah oui. Dégâts magiques de brume. Oh. Faudra que je l'améliore malheureusement. Enfin malheureusement. De l'eau. De l'eau? Il veut de l'eau. Oui, pour faire pousser, il faut de l'eau. Mmh. Effectivement, avec un de lin, je peux faire 10 semis. Ah oui. Donc ça reste efficace. Au final. C'est sûr. Bon, on va aller chercher de la brume liquide. Hein. Je pense, hein. C'est parti. J'étais en train de chercher pour faire le truc de scie, là, le banc de scie, c'est où? C'est une quête. C'est une quête, d'accord. Faudra qu'on trouve aussi du tas d'argile. Ça doit être dans le séchoir qu'on fait de l'argile. Ah ouais? Je pense. Non, ouais. Il en faut pour le séchoir. Ah. Je ne sais pas où on en fait alors. Alors on doit pouvoir en trouver potentiellement, mais... Faut combien de brume liquide? Un maximum, je pense. Hein. D'accord. Que ça sert à faire les coffres magiques, donc tant qu'à faire, si on peut en faire. Ah oui.
puis là, en plus, comme on est contre des mecs de niveau 1... Ah bah clairement, hein. On va dire que c'est easy, mais... Si, si, carrément. Ah mais tu sais, c'est souvent quand tu dis ça que tu meurs. Oh bah... Ils peuvent venir, hein. Là, ici, je mets deux coups, ça tombe par terre. C'est pas faux. J'ai une vingtaine. Ouais. Je vais voir pour revenir aussi, du coup. En récoltant tout ce que je peux sur la route. Ça, c'était une pierre. C'est pas de la brume liquide. C'est pas vraiment pareil. Là, je suppose que c'est pas vraiment pareil. Non, ça doit pas être... la même utilité. Ah. Disons que la pierre coule moins bien. C'est pas faux. Ou pas. Ou pas. Ça dépend ce que t'appelles couler, quoi. C'est ça. Donc profiter comme on est là pour prendre un peu de bois de brume aussi. Ah c'est pas con ça. Hop. Bon, je rentre à la maison avec ce que j'ai déjà. Ok, bah moi je veux pas tarder non plus donc de toute façon. J'ai rempli mon sac à dos. Sac à dos, sac à dos. J'ai plus d'un stack de brume liquide. Bon ça va. Oui, je pense qu'on est tranquille un moment. Oh, c'est le matin. J'ai vu ça, le ciel s'est embrasé. Avertissement. Ah, je vais mourir. Hey, il me faut plus de clous pour faire des petits coffres, tu vois. On a bien fait de garder un peu de ferraille. Ouais, je t'avais dit. Alors, des clous. Des clous. Aucun emplacement disponible dans le sac. Tout de suite. Ça, c'est des excuses, ça. Bah oui, surtout quand t'as des coffres juste à côté. Bah ouais. Hop là. J'ai laissé 50 ferrailles. Stockage, je vais nous refaire combien Aucun emplacement dans le sac à dos. Oui, bon, comme ça, c'est réglé. Je vais refaire deux petits coffres magiques. Ouais, je pense. C'est pas mal. Je vais voir pour faire les planeurs améliorés. Ok. Les grappins améliorés. Il va falloir que tu te déséquipes de ton grappin. Jamais. Bah, c'est pour avoir le meilleur grappin. Bon, d'accord. J'ai le grappin amélioré. Nécessite moins d'endurance. Peut activer à plus grande distance, d'accord. J'ai le grappin également. Bon. À une plus grande distance, tu veux dire qu'on se cassera moins la gueule Peut-être. Pas mal ça comme idée.
C'est con qu'on n'ait pas un autre sac, un plus grand sac. Ouais, il y en aura certainement un plus tard. Oui. En lui trouvant de nouveaux objets. On peut faire de la pâte visqueuse. Oui, j'en ai fait tout à l'heure. On peut faire des cœurs de brume. Ok. Mais de l'argile, ce serait de la terre, non? Ben, pour moi, ce serait un truc à creuser quelque part, mais ailleurs que là où on a déjà creusé. Ah, la terre et des bûches, ça fait du goudron. Eh, normalement, oui, c'est dans la terre, oui. J'ai un anneau de vie infini. Est-ce que tu reveux un deuxième anneau qui te fait du vol de vie? Ouais. Pourquoi pas, ouais. Je t'envoie ça. Ah oui, mais moi j'ai pas vu. Par contre, je l'ai pas vu proquer ça. Hein. Quoi donc? Bah. Le truc du leash là. Ah oui? Ouais. Donc je vais les enlever parce que bah. Les coffres sont pleins. Non. Les deux petits que j'ai mis, ils sont pas pleins. Ok. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah oui, les blocs d'os. C'est épique, les blocs d'os. C'est épique. On peut faire des blocs de métal. On pourrait construire notre maison en métal. Waouh. On peut faire des boîtes brumes aussi. Je veux voir de la fourrure animale, mais attends, mais de la fourrure animale, on en a, on est bien d'accord. Bah oui. On n'est pas complètement fou, elle est où notre fourrure? J'en ai là, de la fourrure. Si j'arrive avec de la fourrure sur moi... Ah! Voilà! Fourrure obtenue. Bon. On a été détourné de ce qu'on voulait faire. On voulait faire quoi? Un puits de l'élixir. Ah oui, c'est vrai. Go, go, go! Si on a encore le temps. Ouais. Enfin, ça, après, ça dépend de la longueur du puits, quoi. Oui, j'imagine. Si le puits il fait 2 minutes ou s'il fait 2 heures. Par là. Je le vois. Il est juste là, viens ici, et il sera en face. Tu le vois? Attends, je vais mettre un marqueur, je le verrai mieux. T'es sûr de ton coup? Oui. Alors en route, à 600 mètres. En fait, j'ai l'impression que sur la map, les distances, elles sont beaucoup plus grandes qu'en vrai. C'est-à-dire? Bah, quand tu regardes sur ta map, t'as l'impression que le truc, il est à 8000 km. Et en fait, il est à 600 mètres.
600 mètres, c'est loin. Hein. Bah, en vrai, quand tu regardes, ouais. C'est pas si tu prends pas ta bagnole. Tout de suite. Ah bah, tout de suite. C'est 6 fois la distance qui me sépare de ma boulangerie. Voilà. Waouh. Et tu prends la voiture pour aller chercher les petits pains ou pas ? Elle est un peu plus près parce qu'en fait elle est à 83 mètres exactement. Vous noterez ce manque de réponse ? Ça veut dire oui. Alors, est-ce que je prends ma voiture pour y aller ? Ma voiture est garée à côté en fait. Il y a du monde là en bas ? Ouais mais ça on l'a déjà fait. Passons à côté. T'es sûr ? Mais oui. On l'a fait ça. D'accord. Alors, en fait, si tu veux, comme j'ai pas de place, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai un arrêt de bus juste devant chez moi. Ah oui, c'est vrai. Et après, c'est des garages. Et donc, ma voiture est garée à peu près 50 mètres de ma maison. Donc, si le temps que j'arrive à ma voiture, il me restera plus que 30 mètres à faire. Ah, c'est quand même dommage, du coup, d'allumer le moteur pour faire 30 mètres, tu vois. Bah, c'est ça. Si après, c'est ton choix. Hein. Si j'avais une voiture électrique, je le ferais. C'est au niveau 9, hein. Ah oui, mais toi, tu leur mets deux claques et ils meurent. Il y a du monde, hein. Tout à fait. Il y a des trucs bleus là, il y a des tonneaux bleus. Faut se méfier des tonneaux bleus. Oui. Tout ce qui peut exploser, faut s'en méfier. Saloperie. Elle m'a attaqué dans le dos, je l'ai pas vu arriver. Il doit y avoir un spawner là-dedans. Non. Non. Mais ils m'attaquent tous dans le dos. Bande de chiens de Saxons. Passer sous son aisselle. Et ça va ? Ouais. J'aurais pas à me nettoyer le visage. C'était ça la question. On l'a fait celui-là ? Non ? Non. C'est marrant, c'est exactement le même layout que l'autre. Donc ça va éteindre combat, c'est ça ? Bah écoute, l'arbre est juste là. Ouais, j'ai vu, mais il n'y a pas l'air d'avoir de boss. Non. Cover me, je le coupe. À l'assaut ! Il y a plein de bestioles, au secours ! Oh bordel ! Oh bordel ! Je me casse ! Au secours ! Tu te souviens du premier boss ? Ouais. Bah c'est lui plus 50 copains. D'accord. Je suis tout seul. Je suis perdu. Je me prends des flèches dans le cul. T'es où ? Je vois pas sa barre de vie. Je suis toujours à l'arbre moi. Je reviens dans le combat. Oh, y'a, il y a du monde. Il m'en veut. Il m'en veut. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai mangé toutes les céréales ce matin. Fais gaffe à toi, hein. Il tape l'arbre en tout cas. Il est censé le protéger l'arbre, pas le casser. On va la voir. Il est mort. J'ai
Ah, et regarde, il s'est fait transformer en petit crâne volant. Ah. Ah, on a re une tête de ce perso là. D'accord. Ok. Un nouvel arbre a été détruit. Il y a de la bestiole. Ah oui, non, mais là, il y a du mob. Hein. Attention derrière toi. La brume liquide. Je trouve des morceaux de bestioles. De la ferraille, du mycélium. Attention. Ah oui, j'ai peut-être emmené beaucoup de gens ici. Aïe. Tu vas mourir. Je suis niveau 8. Eh ben. Peut-être faire nos perks à un moment aussi. Hein. Ouais, on va y penser. Un coffre. Ah, j'ai pas de crochet. Merde. Aïe. Ça on a fait. Je peux cibler le mec qui est juste en face de moi, s'il te plaît? Merci. Attention, il y a du monde. Et c'est tous ceux que j'ai abandonnés là. J'avais tout ça au cul. Aïe aïe aïe. Attends, bouge pas. C'est vrai que je peux faire ça aussi. Hop. Ah ouais. Ouh. C'est vrai que je peux faire ça. C'est beau. Mais avant, je pouvais pas les faire, les sorts. Donc je les économisais maintenant qu'on peut les construire. Si j'ai les compos. Du coup, on n'a pas été voir là-bas par contre. Des fois qu'il y aurait un petit coffret. Où ça? Alors, il y a un truc pour gagner du temps dans la brume là. Ouais. Vachement utile. C'est utile quand tu sautes pas comme un barbare sur. Je me fais attaquer, au secours! Besoin de renfort! Reinforcement! Je vais mourir! Au secours! Pourquoi ils m'ont attaqué moi et pas toi? Hey. Regarde un petit coffre. Bien planqué. Ah ouais, j'avais même pas vu. Il y avait que des pansements à l'intérieur. Oui. Bon. Et je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de t'attaquer toi, mais. Il y a des mecs en dessous. C'est parce qu'ils savent qui est le meilleur des deux. Ah, du coup ils s'attaquent au plus faible? Non, non, ils s'attaquent au meilleur. Ils s'attaquent au commandant, ils s'attaquent à la tête pensante. Oh putain, on est pas dans la merde.
C'est tout ? On dirait. Un peu chiant aussi ça, si y a que 2-3 types depuis de l'éternité aussi pour le moment. Disons que tu peux vite avoir l'impression de tourner en rond quoi. Dans les défis. Ah ouais. L'inconvénient de l'early access. Ouais. Bah c'est bon, on peut se casser, on peut rentrer à la maison. Eh bah allez, on rentre. Ah mais j'ai un bâton jaune. D'accord. Je savais même pas. Ah mais on commence à en avoir fait quelques-uns depuis de l'éternité, depuis de l'élixir là. Oui. Très bien ça. J'ai une question bête. Oui. On remonte par où? Bah tu te TP. À une échelle là. Ah oui c'est vrai, il y a un TP. Ah oui, t'es en dehors de la brume. Bah oui, moi j'étais resté dans l'idée que non, il fallait rentrer par nos bon propres moyens. Bon sang, quelle douce odeur, vous avez des baies avec vous. Oh, je me demanderais, pas un grand bol de baies. Dites, peut-être vous pourriez au moins me trouver des fraises. Ah. Ah. C'est ça qu'à faire. Bah non. Qu'est-ce que c'est cette chose que vous portez? Du mycélium sans de flamme. Je vous conseille d'être prudent, que vous tenez est très dangereux. C'est la maladie, c'est la souffrance, c'est un champignon qui a pour objectif de dévorer notre monde. Les humains ont vu le potentiel dans la chair de la plante. D'accord. Ok. Ça regarde. Et t'as un truc au-dessus de ta tête, c'est quoi? Remporter? Pourquoi rempoter, pardon. C'est quoi? C'est du lin. Et que là, tu fais pousser, on attend que ça pousse et après on va pouvoir récolter, c'est ça? Ouais. Ça y est. Il commence à faire le farming. Il va falloir nous préparer des endroits un peu plus spécifiques. Hein. Avec le râteau, peut-être. Peut-être. Et qui est-ce qui faisait le râteau? C'était dans l'atelier direct, je crois. L'atelier direct. Les échafaudages, non, c'est pas ça. Enfin, je pense pas. Ah ouais, le râteau. Attends, je m'en suis fait un. On va voir ce que ça fait. À la place de la potion de mana, ça sert à rien, le mana. Oula ! Truc bizarre, hein. Râteau. Maintenir, aplanir. Ah oui. Aplanir, c'est ça ? Oui. J'ai comme un doute. Bah c'est ce qui est noté, hein. C'est un truc à la Valheim. Il faut viser l'endroit où tu veux et ça remet au niveau où t'es. Au niveau où tu vises. Pas vraiment, non. D'accord. Je vais récupérer les blocs de terre et je vais les replacer hein, pour que ce soit pas dégueulasse comme ça. Et je sais pas, moi on me dit aplanir, pour moi ça fait... voilà, hein. Ah bah aplanir c'est aplanir hein. Moi je croyais que ça allait faire, tu sais, comme dans... je sais pas si tu as joué Stardew Valley ou des trucs comme ça, tu sais. Alors non. J'ai pas joué.
ça aplanit la terre. Vraiment, quoi, tu sais, tu creuses des sillons, quoi. Oui, oui. Je vois bien. Alors. Plus de forme. Terrain. Voilà. Hop, en terre. Je refais la terre. Hein. Tiens. Par contre, j'ai plus. Que ce qui est nécessaire pour leur faire. Ouais. C'est-à-dire que j'avais pas de bloc de terre sur moi. Hein ? J'avais pas de bloc de terre sur moi. Et je suis passé à 144. Il y a comme qui dirait, il y a un problème. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Effectivement. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait une station de sniper. Je prépare des champs. Ah. Ah oui, mais je vais faire un échafaudage pour qu'on ait une tourelle de sniper. Mais oui. Vous allez voir mon grand talent de construction. Plus de place dans le sac à dos. C'est quand même déroutant. Déroutant ? Oui. C'est déroutant de ne plus avoir de place dans son sac à dos. Certes. Alors. Je vais tenter de nous construire une tourelle de sniper. RT. Et voilà. Nous verrons les ennemis venir de loin à présent. Alors, j'ai une petite réclamation sur le voxel. D'accord. C'est pas droit. Comment ça, c'est pas droit? Ah bah... Qu'est-ce que t'entends par c'est pas droit? Bah... j'ai fait un carré. Enfin, un carré. J'ai fait un rectangle, on est bien d'accord, mais... c'est pas droit. Oui. C'est le tapping. C'est du voxel. Pourquoi j'ai une ouverture là? Ça y est, il est trigger. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu vas surmonter cette épreuve. Ouais, je vais tricher, hein, comme dans tout bon jeu de survie où t'as de la construction. C'est ça. J'ai construit mon perchoir. D'accord.
Voilà. J'ai construit. J'ai peut-être un peu salopé la maison, mais c'est pas très grave. J'ai construit l'entrée de nos champs. Oh, quel talent. Ah oui, quand même. Je verrai l'ennemi arriver de loin. Eh bien, nous, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Les bye bye. Salut!